Messieurs, c'est un honneur de vous recevoir. Marty Stringer, attaché parlementaire d'Evan Baxter. Et voici Rita Daniels, secrétaire parlementaire. Je vais entrer ces messieurs. Dans une minute. Baxter est à nouveau venu, monsieur, mais vous allez voir, il est aussi sérieux qu'un colt. Tant mieux. Peut-être que ce jeune étalon poussera ses vieilles juments à notre bord. Oh, il va vous impressionner. Chers messieurs, c'est un honneur. Vous avez des explications à nous fournir? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, ça, ce sont... des oiseaux. Oui, et qu'est-ce qu'ils font ici? Qui les a introduits dans ces locaux? Oui, excellente question, je dois dire. Question à laquelle je ferai la réponse suivante. Ces volatiles sont des oiseaux voyageurs dressés, monsieur. Permettez-moi de vous montrer ce que ça fait faire, s'il vous plaît. N'importe quel mouvement que je fasse, aucun de ces charmants volatiles ne s'envole. Allons droit au but. Qu'essayez-vous de prouver? Hé, les gars, c'est quoi le but? Ce que j'essaie de prouver... Ce que je veux prouver, c'est que... L'être humain se doit de dominer toutes les créatures. Et partant de là... qu'à l'être humain appartient de diriger tout ce qui se passe sur le territoire. Dieu bénisse l'Amérique. Je suis de tout cœur avec vous. Vous avez un sens de l'humour décapant. Mais je ne plaisante pas. L'an dernier, un de nos projets a été refusé par la faute du pic flamboyant. Ces écologistes bêlants étaient tellement remontés contre la possible disparition de cette stupide bestiole. C'est vrai que c'est les bêtes les plus bêtes. Qu'on a perdu plus de 25 millions de dollars en manque à gagner. Ah, d'accord, maintenant je comprends. C'est du très bon travail. Votre petite démonstration a visiblement servi son but, chers amis. Désormais, on tâchera de limiter les surprises à un grand maximum de voyons. Aucune. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, monsieur. Aucun souci. Evan, c'était une idée brillante. Risquée, mais brillante. C'est quoi ce délire? Tout ce qu'on peut dire de ces bestioles. C'est qu'elles ont bien mangé avant de nous envahir ici. Vous voulez pas que je prenne mon Beretta? Ce que je voudrais bien, c'est que vous ouvriez la porte, Rita. Tu veux ouvrir? Tu m'ouvres cette porte! Et quand je suis dans le couloir, tu refermes. C'est bien compris? Si tu y tiens. Tu y es? Un... deux... trois! Moi, si je fais une grippe aviaire, je lui fais payer mes médicaments.